Salut à tous, j'ai effectué ce reportage sur le village de Manuel au Sénégal, dans le département de Bakel. Salam alaikum, maroumousouninko, ngora sou kounin teratoron rachamou. Deux reportages ndeberi, debebegen Manuel, département de Bakel, Sénégal. Je suis, tu as plus de 6 malades. Oui. Tu seras obligé de mettre 2 malades par lit. Parce que tu vois la campagne qui est pour le grand fou. Pour le grand fou, il y a une campagne qui est déclenchée. Okay. Presque comme au fil de folie, il y a une école qui est jardin qui est au franco qui est fumé. Il se dit au bas, il y a une campagne qui est. Dans les classes, sur les logements, ils volent tout. Ils prennent les ampoules, ils prennent les trucs, ils prennent les fils. Vous n'avez pas de fond. Vous avez que les trois télés, les pleins. Toi, mon mène panda, à mon enfant, quand tu me couches, c'est un gars, les gars. Alors, pour les manques, il y en a beaucoup. Premièrement, un moyen pour transporter les malades au niveau du district, c'est tout à fait un problème parce qu'il n'y a pas d'ambulance au niveau du poste. Il n'y a pas d'ambulance. Et au niveau des salles d'hospitalisation, il n'y a pas de climatisation. Le confort aussi, c'est limite. Parce qu'il y a des manques de lits, de matelas, des potences, tout ça, ça manque. Oui, parce que moi j'ai fait un tour dans le centre dans la salle d'hospitalisation. Quand un malade est pris en charge, comment il fait en fait pour être ventilé ou pour un minimum de confort? Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de climatisation, pas de ventilation. Pour l'hospitalisation des malades ici, pour la climatisation dont vous parlez. Parfois, c'est les malades eux-mêmes qui amènent leur propre ventilo. Ah bon? Oui, c'est eux-mêmes qui amènent leur propre ventilo. Parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Ah, okay. Il y a beaucoup de moustiques dans les salles. En plus, il fait excessivement chaud. C'est tout à fait difficile de rester là-bas une heure de temps. Ah oui, je comprends. Surtout avec la chaleur. Avec la chaleur, aussi, il fait excessivement chaud. Il manque du matériau médical et même dans les salles. Bon, il y a des ventilos, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez en fait. Il n'y en a pas assez. Et il n'y a pas assez aussi de lits. Par exemple, si nous avions plus de 10 malades, tu ne peux pas tous les hospitaliser sur les lits. Parce que en fait, il y a des années en arrière, il y a eu une épidémie ici qu'on appelle le choléra. Donc c'est l'épidémie en fait qui a été grave. J'étais ici présent et c'était une catastrophe. Donc je ne souhaite pas, si une épidémie comme celle-ci se reproduit, comment en fait le dispensaire prendrait en charge les patients? Ça sera la cata parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour prendre tous les malades en charge. Oui. Et il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas aussi assez de salles d'hospitalisation, parce qu'il n'y en a que 2 salles, et dans ces 2 salles, il n'y en a que 3 lits dans chaque salle, ça fait 6 lits,
Donc, si tu as plus de 6 malades, oui. Tu seras obligé de mettre 2 malades par lit. Rapidement, c'est une catastrophe. Donc, une personne qui doit être évacuée dans un autre hôpital par manque de moyens, comment il fait en fait? Il y a une possibilité, il y a une ambulance ou pas, ou un autre moyen de transport? Non, il n'y a pas d'ambulance au niveau du poste. C'est eux-mêmes qui vont chercher un moyen de transport pour amener leur malade. Ah bon? Maintenant, si c'est un cas tellement urgent, oui. On appelle au niveau du district. Eux, ils nous envoient leur ambulance, mais c'est les malades qui doivent payer. Ah, c'est eux, ça eux de financer. Et le district, l'ambulance, il vient de quel endroit en fait pour venir le chercher? L'ambulance, il vient de Bakel. Donc, si vous avez un mot pour la fin, je vous laisse la parole. Bon, pour le bon fonctionnement du dispensaire, il faut que les natifs de Manayel qui sont à l'étranger puissent venir s'investir dans votre village. Parce que c'est votre village. Hein? C'est vos parents qui vont venir ici pour se faire soigner. C'est vos enfants qui vont venir ici pour se faire soigner. C'est vos sœurs aussi qui vont venir pour se faire soigner. Maintenant, pour qu'on puisse les prendre correctement en charge, il faudrait que le poste puisse avoir une ambulance médicalisée. Une ambulance médicalisée et du matériel pour soigner les malades. Parce que les matériels aussi, ça manque. Ça manque. On travaille juste avec les moyens du bord. C'est votre hôpital. Nous sommes juste affectés ici. On n'a pas de parents ici. Si on travaille ici, c'est pour faire du bien. Mais en faisant du bien, vous êtes les natifs de Manayel. Il faut aussi que vous nous appuyez pour qu'on puisse faire un travail de bonne qualité, fournir des soins de bonne qualité. Et pour cela, il faut que vous débloquiez vos fonds et venir investir dans votre poste de santé. Ouais, merci à vous et merci à tout le service médical du dispensaire. Et puis, merci d'avoir donné aussi l'autorisation de filmer. L'école compte 6 classes, du CI jusqu'au CM2. Et après avoir eu leur entrée en 6e, les élèves sont
directement véhiculé en sixième, ça veut dire au collège. Maintenant, ici, les classes, chaque classe compte environ presque une trentaine d'élèves. Et aussi, dans l'école de Manel, on a eu beaucoup de problèmes, surtout pendant les vacances. Depuis 2019, il n'y avait pas un bon mur. Il n'y avait pas un bon mur. Et en plus, depuis 2019 aussi, on n'a pas une porte. L'école ne se ferme pas. Ça veut dire que nous sommes en prêt ici. Vous n'avez pas de gardien en fait? Non, ici on n'a pas de gardien. Ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Nous-mêmes les enseignants, nous sommes notre propre gardien ici. Ok. Oui. Et vous voyez les logements qui sont derrière. Les logements, ça a été depuis là presque 12 ans. Il y a les mêmes logements qui sont là. On voit des fissures sur les murs. Ça veut dire que ça... C'est pas très sûr. Ouais, c'est pas sûr et c'est insalubre et ça risque même de. Oui. Ça sait jamais de s'écrouler sur vous. Oui. Et vous risquez même. C'est risquer sa vie aussi. Hein, oui. Aussi. On ne sait pas parce que tôt ou tard ça peut s'écrouler sur nous. Ouais, donc, on espère que Dieu nous en préserve. Oui. Et aussi il y a le problème de l'électricité. Ici pendant les vacances, quand on vient, toutes les classes ou bien les chambres sont défoncées par les. On peut dire par les jeunes du village. Des jeunes du village? Oui. Donc ils viennent retirer les câbles, les prises? Ils viennent retirer les câbles, les prises, les ampoules, mais aussi les fils. Et maintenant, au retour des classes, oui. Nous-mêmes les enseignants, nous on prend notre propre argent pour financer ces matériels. Ah mais c'est honteux, hein. Franchement je trouve ça vraiment honteux. Déjà, ceux qui étudient, c'est leurs propres enfants, leurs sœurs. Ou autre. Mais il faut savoir que les élèves qui sont là, ils sont dans la violence. Ce sont vos enfants qui sont là, ce sont vos frères, ce sont vos neveux qui sont là. Et on demande aux élèves de nous aider. De nous aider à régler ces problèmes-là de l'école. Depuis presque 10 ans, ce sont les mêmes problèmes qui sont là. Travaux, oui. Les deux classes qui sont là, la classe de CM2 et la classe de CM1, on a vu qu'on a refait la dalle, on l'a refait. Oui. Et le mur s'apprêtait à s'écrouler. Depuis 2019, c'était comme ça. Il y avait une voiture qui l'avait heurté. Ok. Oui. Le mur s'est incliné. Les portes. On n'a pas de porte. Donc là, il y a eu un mur de fait. Mais la porte, il n'y a pas de porte en fait. Il n'y a pas de porte. Ok. Oui, il y a des voleurs ici dans le village. Il y a des voleurs qui défoncent les canards, qui rentrent dans la classe, qui volent. Pour les besoin, quoi. Il faut qu'on nous aide quoi pour les. Même dehors aussi. Dehors, à l'extérieur de l'école, on voit qu'on verse là-bas des ordures. Et ça aussi c'est désolant. Des ordures alors qu'il y a. Oui. Bon, il y a une déchetterie, il y a une personne qui fait le tour des maisons pour ramasser les déchets et les verser à la déchetterie. Mais malgré tout, ils versent des déchets à côté de l'école. Quoi. Ils versent des déchets à côté de l'école. Oui, on les exhorte, on les supplie de ne plus verser ici les ordures. Même nous, les enseignants, les élèves ne versent pas là-bas les ordures. Oui. Donc, on demande aux villageois de nous aider sur ça. Les toiles sont comme ça, quand on est là, quand on parle, les toiles sont comme ça aussi. Ça reste sans fermeture. Ça reste sans fermeture, quoi. Ok. Oui. Maintenant, on lui demande aussi si vous pouvez nous aider sur ça aussi. Ça sera une grande pousse, quoi. Donc tout ce qui est tableau, tout ça, bon, il n'y a pas de. Oui, les tableaux, il y a quelques tableaux qui ont des problèmes, comme ces classes qui sont là. Les tableaux là, il y a beaucoup de pierres. Ça termine les craies. Oh. Il y a beaucoup à refaire encore. Il y a beaucoup à refaire, les tableaux aussi. Oui. Et aussi quelques matériels à l'école, comme les seaux, tout ça à l'école. Des seaux? Des seaux. Des seaux pour. Pour effacer le tableau. Ah ok. Des seaux pour mieux les fonces aussi. Okay. Tout ça, il y en a pas aussi à l'école. Okay. Donc les sceaux, tout ce qui est sceaux et autres réponses, c'est vous-même qui financez de votre poche. Non, c'est la coopérative. Ah, c'est la coopérative. Oui, c'est la coopérative qui finance ça. Okay. Les sceaux, les balais, les réponses. Mais cette année-ci, lorsqu'on est venu, on a trouvé que l'école manque de sceaux. L'école manque de sceaux. Il y a certaines classes qui n'ont pas ça. Okay. Et le fil là, c'est pendant les vacances qu'on a. Je crois que quelqu'un voulait enlever ça. Parce que quand il prend le fil là, c'est pour les vendre. Et c'est partout pareil dans l'école, quoi. Dans les classes ou les logements. Dans les classes ou les logements, ils volent tout. Ils prennent les ampoules, ils prennent les trucs, ils prennent les fils. Tout ça, vous avez vu, tout ça.
Le fil était en haut. Comment quelqu'un peut descendre, ça arrive. Donc ce sont des jeunes même de Manel quoi. Oui, ce sont des jeunes de Manel. C'est confusant. Ce sont des jeunes de Manel. Même des fois, on vole nos matelas, comme l'année passée. Vos matelas, vous? L'année passée, on a pris mon matelas, on a pris tous mes draps ici. Et donc après, c'est à vous-même d'acheter des matelas? Oui, c'est nous-mêmes qui achetons les matelas, les matériels après. On vole, nous, on revient, on achète. C'est grave, hein? C'est très grave. Bah, comme je vous l'avais dit tantôt, nous on a suffisamment, on a beaucoup de problèmes ici en fait. On travaille comme ça parce qu'on n'a pas le choix. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la classe, vous la bébé, vous-même, on a besoin des salles de classe, même si ce n'est pas trop grand, juste trois. Parce qu'il y a des petits enfants qui sont là et ils ont besoin d'un peu de confort. Même si ce n'est pas très liquide, mais juste un peu de confort. Mais vous avez vu la classe comment elle est équipée, on n'a pas de toilette, matériel, nada, rien du tout. On a absolument rien du tout. Et c'est normal que les enfants soient assis sur des notes pour comment on appelle ça là, pour un jardin. Oui. Est-ce que c'est normal que les enfants soient sur des notes là? Non. Pour un jardin. Non mais parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas de matériel, comme je vous ai montré tout à l'heure, les tables blancs, vous l'avez vu vous-même, les tables blancs, ils sont là. On ne peut pas les utiliser comme ça. C'est pour ça là, comme je te l'ai dit, tout ce qu'on fait ici, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On essaie de faire avec les moyens du bord. Ce qu'on a, on travaille avec. C'est ça. C'est une obligation, je ne peux pas les laisser partir. Ce que j'avais proposé, j'ai dit on a un petit espace ici, on veut vraiment avoir, même si c'est deux toilettes, mais oui. Business rap game, all yours on me. Chicken tuning, Latifah, Zion, and Patin. Stop
Debe khase ke osoro kunyi gaja ngai gana re gaja se fe sura kunyali na burum pa yaru lemnu igate leko amma wananga sura khaso bu igate diko fal kulbali nya aro tawale kenya ni igosh girin ni no itako ya se fe yerni kumme ni da tagale
tuwabu mende panda amu marfan katu no kusu senegal gas ar katu bakala ya bakal ya tuwabu bunan katu ya kenyan to kago do shoron amma wadi o kuntende panda to tar gidan fara yi du no doga bakal ndamu tuwana ay wati american di francina senegal fotam min ngi ni maratin tiki ne gani ki agani kharangu diga tuwa ku beta diga golle be ya yugo sunya ini ke dira ponko ni na hadra ponko kenya na amerika ko ko ke na a goma da franci kan franci ge se o kwani se wani wani se wani ku senegal ngo wani se wani wani se wani a kembal normandi nkatanci almana almana senegal an franci kada anina de gol de palangu agri khali kin senegal senegal amma wadi fatambin shuga amrik aga soni ke mu senegal en kenya eh igolo sol fono be fay igali jena nan ke gore gore yo idi wuti idi fayela idi wuti idi eh igali fay idi gala idi jena gore yo goni de geren de bari yo goni tanin kuti yo goni kitun kuti chefe ko si jena amrik idi gija do ni selle c'est le cunyade de mon père américain qui va chez son ganga le photo américain sur la ganga le photo américain sur américain avec Sénégal qui a une qui m'a dit khana du khoto on a war kundu chere anani metu batti do mangena ka la ngi fali kanga c'est jour bonon dan wala mangé gana fi batti gana dan khanjo anga tusan tokodanga batir gana rusi mangi gana dengan khanyo anga tusan tokodanga ma tokodan tekala anga mawari fokoli ya nodina ya nota kuni yeke odi yeke mara odi jema di yeke mara ili kemisi na nya igan yeke mara ya ni segale lagan ya ni fofora ka lengi ya ni nepanda ya sefe anga tu kebe gana katurom pande khamu turom pemena ngeda ngana gaja ngana niti kebe kenintri ni kenya la kaminda khanke ngadi nit keben taka kenko anga tando sire ngana fanke khara gana nya goma ne ya hadra manga sin daga fanke de sari nga fanke na di goma wallahi sibe fobe ga ta tromba ne khara nga nuku to abu ni ngodo ni fobe e di khara ngundi kenya o ku khaga di ni nuku be ma khara ngundi kenya de foni ti sa kenya jalo na sa ji de khara kya كيا نوال كل بلا خاصه غادي خرجوا ان شاء الله هكا في خاصو غادي تندو خايمون اه والله باسكو هوني او خان مولودي بو خشنو هوني توما والله والله هوني توما ان شاء الله هوني توما Isa gajigo manaling kianinga wala mbiren manjare manela ngoro manela mbiren manela actuellement bon avant tout na last business remercier pour déplacement ke ro équipe technique on remercie tout le monde comment t'as commencé ton business ici voilà mon business nous commencé avec 3 télé et 3 PlayStation. Au départ, j'avais pas de fonds. J'avais que les 3 télé et les plays. Ah, t'as commencé de zéro quoi. De zéro, exactement. Bon, maintenant,
chaque mois, les kéga qui béronin, je prends une partie, je l'épargne. Une partie pour mes dépenses personnelles. Tu comprends? Après, quelques mois plus tard, je pense que 3 mois, 4 mois plus tard, j'ai acheté un tableau commercial, ouais, pour les accessoires portables. Après, j'ai fait ma première commande. Ainsi de suite, j'avance avec les bénéfices, quoi. Bon, tu fais pas que ça, il y a aussi des transferts d'argent. Voilà. Bon, après deux services transfert d'argent qu'on a demandé, j'avais au départ Orange Money, ensuite Wave, après plus tard j'ai RIA. Western, j'ai fait retrait et envoi. Ah, okay. Mais RIA, j'ai fait que retrait. Un peu le retrait. Ouais. Okay, je fais pas d'envoi. Bon, j'ai d'autres services. Services de vente de puces. Je vends des puces Orange, puces Tigo, Free Money aussi. En fait, toi, t'es équipé multi-service. En fait, tu fais plusieurs services à la fois, quoi. Voilà, plusieurs services. J'ai aussi un frigo aussi. Ouais, parce que moi, ce que je trouve bien, c'est que avant, pour les retraits d'argent, soit RIA ou Monogram ou autre, on devait aller jusqu'à Diawara. Ouais. Donc, d'avoir un jeune, Manuel Noir, tu vois, qui a fait des études, ouais, et qui est venu au village, et qui a investi, et qui fait tourner le business ici, oui, c'est plus important une personne qui fait ses études pour moi, hein, et qui va en Europe. Après, il y en a qui réussissent en Europe, hein, mais ça, c'est un exemple. Ça. Moi personnellement, je trouve que c'est un bon exemple. Ouais, bon, après, bon, c'est pas des millions, mais chaque chose, en fait, vient petit à petit. Ouais. Inch'Allah, tu as commencé petit et ça grandit, c'est toi, ça, au fur et à mesure. C'est comme ça. Et Inch'Allah, on espère que tu crées d'autres business, Inch'Allah, et que tu ailles encore plus loin, quoi. Inch'Allah. Donc, à part ça, t'as aussi, tu vends aussi des... Des boissons, oui, des boissons, de l'eau, et plein d'autres. Nous avons aussi des portables. Des portables, Donc là j'ai un imprimant. Oui. Donc tu imprimes aussi des photocopies, j'ai fait un scan. Ah, tu scans et tu fais des photocopies. Scan de deux, ouais, des dossiers, par mail. J'ai fait imprimante, photocopie, voilà. Plein d'autres services. Et le mot de la fin, c'est qu'est-ce que tu as à dire au sujet pour encourager les jeunes de Manel. Voilà, bon, moi, mon idée, c'est vivre et réussir en Afrique. Je soutiens aussi ce slogan, quoi. Vivre et réussir en Afrique. Parce que c'est vrai que aller en Europe, ça peut changer beaucoup de choses. Bon, maintenant, bon, moi je pense que rester ici aussi, faire un très bon business, bon, ça peut aller, quoi. Ouais, c'est plus... Bon, j'invite tout le monde, là, tous les jeunes à investir, à prendre des risques. Investir, c'est prendre des risques. Ah ouais, c'est des gros risques, hein. C'est gros, ouais, parfois on perd, parfois on gagne, mais on reste debout, faut pas lâcher. Au début c'est difficile, mais après... Des choses, mais en fait c'est des erreurs qu'on apprend. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Animé. On passe le truc de Brême. Ok. Maintenant, comment tu as fait un état de fonction, quoi, financier. À Maroc, on a coupé. Tu as arrêté. Voilà. Qu'est-ce qui a signé? C'est ça. Non, Allemagne, voilà. Ah, l'importation. Voilà, il est en train de pomper. Ok. Alors, à Québec, vous avez dit. À qui est-ce que tu as dit? Courant avec. Oui. Groupe qui est en train de.
maintenant, c'est-à-dire qui a dit que les gens ne sont pas là, qui a dit que les gens ne sont pas là. Alors les gens, parce que si on est dans la campagne, pour que nous avons fait, pour que nous avons fait, 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 nous mais actuellement, il faut que je suis en train de dire que je suis en train de Salam alaikum. Ndokon Haruna Diawara. Mi ni tu babu ya. Donc nda asukuni na xam mamat xariye ke bi xari kun sasa. O ñani école franco arabe ke directeur. Donc premier adjoint en fay ke monsieur Ba ga taxu ni nkara nga kundu. Donc voilà. Ñan école ke directeur. Way anga ko mo ko be kun bien. Madrasa nga ñi. Mais madrasa ke gagne madrasa ad chargé trindi. Sarzke akoto akoto man na lingon taw nantina aray kita iraga fer ñana fuga bakki de charge mugobe donc president ka abdrahman koita adu oustaz be gani yere madraske directeur nga donc giri dak bakali pour que inandaga fer ñana iraga eta lagi de man mugobe igi jofe donon etan ko franco arab ke propose ya quoi et franco arab ke wutu na fondami giri me fam wax de be madraske transformer na franco arab angana franco arab kamou difference begado madrasa nakh nga ado difference begado école classique nakh école classique in français mbane kharan donc presque 30 minutes de sonni arab ga konke and sik nga safande tun arab nga sik nga fufamun arab ke kon comme saydra no kon kundu nyaita bon angana madrasa kamine arab mbane kharan ina fulmanou du français ke garou nan kon tan sik la ga français tun mangana franco arab ke mugu école ani français 50 arab ke 50 limneke an arab qaranga an français qaranga limneke asafenta arab nga asafenta français nga par exemple nke begen directeur ke arabisanyani ngana limne be xeyna mousse bangsasa nga safa be ko ngono ko da arab nya mais aganari an digam ko ko mousse bandang français nyi mousse bangana jabb français agana dugta aganari katinke an digam ko ngi da arab nya donc arab ngi français ci ñokko yere iga fofu su xaranga français nga école classique nga ya me xaranga yere français nga ko donc mais examen ke il faut ni guni xaranga yere mais examen kentri ni quoi inti capi examen quoi mais c'est bien na xaraere ma nga dan certificat kita donc ak nga allay telle école classique pay nga quoi pro a collège nga ana continuer sorong yere hoke xane ga master sasa ado certaini e daga école français que classique collège nyaay e befem ni pay ma xay sasa sorong yere e xada madrasa que collège nya ho babulay koitani ko ke khumbanjay ni amnata koitani kundaga madraske college nyay e befem paye makhay feeng sasa arab ng sasa soron tan ni khayele ku kadaga franco arab ke college nya kho bangali sumbul bangali diallo akha fay ke sasa franco arab ke befem paye makha donc yere an kho polyvalent allah tel karo ko su ngana bu yere ke nokku begna li nganda nga allah tel continuer do nongo ko c'est ça hanke difficulté ngo makhay sri kho toilette ke be sasa ni magedu ko presque comme au fil de fo lemne école care jardin kedo franco kina ko fimé isu djoxu bané ni mari gatel de donou donc lemuna lemanou ko yim sax ko ngona rek taxaratu yim sax importante taxunu min ni hajun tuka donc ni djoxe kessu bonon dinia ken difficulté xara mo xini djoxu bané ma xara ko na xara mukke ko inspecteur ni gnal yé examen ana les man ngiro ni djoxe be yim sax parce que djoxe be sereng na ya nokuma ku ben ga selang ya xanga ken pet djoxe quoi ken problème ngoma xayere sir. Ouais, souvent c'est les élèves là qui passent le toilette. Ouais. Ok. Parce que. Ils viennent faire leurs besoins ici quoi. Voilà, c'est là. Ah là, ça se voit là. Ouais. Ça c'est vrai ça. Ça.
Voilà tout. Quand il faut traiter le personnel, il est là. Oui. Ça, c'est pour le personnel, ça. Oui. Mais on a un hier. Oui. Selon nous, hier. Oui, ça, c'est vrai, ça, oui. Donc ça c'est le monde toilette en quelque. 200 et quelques personnes. Ça c'est pourquoi ça? Sous ok. Yo. Qu'est-ce que c'est? Il y a un quoi? Oui. Classique. Sur votre domaine, les gars arabes qui nous, vous tapez les filles d'année, ou les arabes qui nous font mettre français à la récréation. Madame Dem, à la France, qui nous vend. Donc matériel didactique ni problème ni ngom xay ku ngere parce que étant feygu kinoy comme mairie yi ñaan feygu ni kinoy rek le plan d'offre mais ante wessene ina compagnie kinoy ante wessene compagnie kudu sax yi jowna bonno ak sine bu ci fa mo gan taxu fa ndam ni nga tel fo xobe mo ni meuna cotiser mi donc anti ante wessene ko ken problème moy problème ram parce qu'on essaie ni ñaan de ber ado gan ni composition yi de ber ni kay ñaan xassas polycopie ni ñaan xanam patante kayit ni ñaan photocopie comme la ñaan ke ngay tandi ke ngay di imprimante ki noy sa mais kayit bi o gam patante fey ke fana polycopie ni ko roné agen ram ke ken problème moy sri hakko dem comme yeru ngal ko mo be monsieur bampay o cotisia o ñu xaram mo xini pour 4 ram ni ko ni xobono quoi ah, bon, donc ay xoto no ma xay quoi donc kayit ma cotiser na pour matériel ni no dam xibar ñan ta o cotiser yeru oy mako wala duru ma xaram mo xini bana su gay 1000 francs baga pour 4 ram ki ta quoi o ba golle ke de berne tay quoi donc parce que oy problème ram ki te sir ngam o gana sir ki sir bera ko dama ram ni kuy ado sir bera ko dama jox xibar ke ken li mo dama sir ke fin classe ke yeme courant tay ko fana ke monsieur bang ni kebe ko xatam ñugo nga feygu xaramundi ni asirena na koy dem nu mo image ni fo film ma ina fay ko par exemple yoru fay togola nga faré mpeke fandambi ni ay mulina faré film kere yi ina explication kere do lum nu mbatte ma obligé na bureau ki awuni na film yile mur rek film mur ya na nit na brancher ina ke ordinateur parce ordinateur kebe ko ma autonomie tay donc ku ragan ni classe ni ku no ko parce qu'on a un problème qui est quoi on a que serbe gara ko kura classe ni ko électrifié nga na kurale asrion sir ayo arrangé que fini problème ta xadu ñu seize xibaaru ñu me parce que voilà coopérative de bac de beaucoup sous coopérative 2000 francs ni ti am ke ndum gonante 1500 est ce qui ma xafra ko sa mais 1000 francs kay me sur ko tutugan ngérié depuis 2012 nga parent d'élève ni yogu ni tuer ko mu dem do mu man me gi ma xéré et me dem coopérative tutugan xar ko taba yeurum ko xata nga parce que lan lim ne xaranga tammi xata nan tammi coopérative en tout cas a rin xara donc mais coopérative ni ko benigi fondamine golle ñant ku ñey hak ñugo ba tablu baye ko na xose wala ga soudé hak ñugo wala fe seladu on veut ça xara dank la seladu yi men to ma xap parce que coopérative mo bëgg wala ga seladu yi mo ko wala école ki nettoyer wala selan comme problème ni moy ma xey yari sir bon à part d'abord saluer et aussi quand même, on est content de votre présence ici. Franchement, nous sommes contents là aussi, quand même, c'est à féliciter. Et
Monsieur Papa Ba, je suis là depuis 2010. Oui. Donc, je pense que je suis le premier maître français à être affecté dans cette école. Depuis lors, je suis là. Et comme vient de le dire le directeur, je pense qu'il a tout dit. Donc, quand on est dans une école, c'est vrai. On ne peut pas nier. Donc, le village a eu à faire des efforts. Vraiment. Puisque l'année passée, on nous a eu à on a électrifié l'école. Mashallah. Mais n'empêche, toujours, il y a des choses que nous avons besoin. Il a eu à le signaler tout à l'heure. On n'a que deux toilettes. L'une des toilettes, c'est pour les élèves. L'autre, c'est pour le personnel. Et tout étranger qui vient ici. Et ces deux toilettes, donc, bon, Dieu sait comment ça marche. Bon, après, on va faire un tour là-bas. Vous allez voir. Une seule toilette est là-bas pour 100 élèves. 100 élèves? Bien sûr. 200? Ouais, donc, lorsqu'on était là, la pandémie, le corona. Ici, on ne parlait que de la propreté. On a eu à le dire, donc on a dit ça je pense que le maire même. Ici, le président, il est venu voir quand même, franchement, lui aussi, il le sait. Donc nous, on aimerait franchement aussi qu'on regarde les toilettes, qu'on essaie quand même qu'on nous construise quand même de très bonnes toilettes. Là-bas, au moins deux toilettes. Là, on peut, puisqu'on dit école franco-arabe. Mais les filles doivent avoir leur toilette, oui, les garçons les aussi leur toilette. Mais une seule toilette, filles et garçons. Non, ça franchement, là, c'est... Du préscolaire jusqu'au CM2, tous dans une même toilette. Et comme vient de le signaler le directeur, à l'heure actuelle où on parle, les élèves n'ont pas de balai. Quand on demande aux élèves balayer les classes, ils partent au préscolaire pour faire ces deux balais et venir. Ah, c'est aux élèves de balayer l'école? Oui, de balayer la classe, les classes. Classes. Voilà. Il n'y a pas une personne qui est chargée de ça, oui. Pour venir nettoyer. Non. Donc d'habitude, ici en général, les écoles, dans chaque classe, oui, on met un dispositif, donc un groupe de balayage. Donc du lundi au vendredi, chaque jour, il y a un groupe d'élèves, de filles qui vient balayer. Oui. Donc là, à l'heure actuelle, on n'a pas de balai. Donc deuxièmement, le directeur l'a dit. On aimerait franchement qu'on électrifie les classes, les salles de classe. Oui, parce que dans les classes, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, oui, dans les classes. Pas d'électricité. C'est que dans le bureau, en fait, là, le bureau actuel. C'est là. Et deuxièmement, s'il y a aussi des logements, nous, de préférence, on aimerait habiter à l'école. Si on n'a pas les moyens, oui, on n'a pas de choix, on va habiter dans le village. Mais de préférence, on aimerait habiter ici dans les classes. Et dans l'école. À chaque fois, tu regardes ce qui se passe, tu pourras à chaque fois essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à réparer dans l'école, à contrôler les élèves. Quand même, là, tu auras largement le temps, de temps en temps, pour convoquer les élèves. Tu pourras leur demander de venir renforcer. Veiller quand même ce qui se passe ici autour de l'école. Mais malheureusement, donc récemment, il y a une salle de classe que je commence à réflexionner là. Vous avez vu ça? Voilà, hier, mon ami est venu pour électrifier la salle de classe. Donc, essayez de voir comment me loger. Et tout ça aussi, on doit encore réflexionner. Devant vous qu'on a appelé Baba, le soudeur, avec l'appui aussi de Baba Ladik, hier qui m'a dit, donc pour les fenêtres, je vais m'en charger, pour les grilles. Il m'a dit, bah, laisse-moi, je vais m'en charger des grilles, donc pour les deux fenêtres. Donc là, alhamdoulilah, mention spéciale à Baba Ladik. Oui. Mention spéciale à Baba Ladik, franchement parlant. Et au président Abdrahman Koïta, franchement parlant. Tu sais, la personne, même si tu n'as pas ton franc, quand même, et la volonté d'aider les gens, à chaque fois que tu viens, tu essaies de s'enquérir quand même ce qui se passe. Là, quand même, ça nous motive. Ça nous motive. De fait, hier, ils étaient là. Le président était là le soir. Il est resté là pendant 30 minutes, 40 minutes, ensuite il est parti. C'est pareil, en fait, moi, franchement. Je ne serais pas passé ici, j'aurais reçu. Non. C'est important en fait de parler de tout ça, quoi. Ah ouais. Donc ça, et on sait très bien que l'école est un peu loin de du village. Oui. Donc ce serait préférable à telle période hivernale qu'on nous aide, qu'on déserve toutes ces herbes-là. Parce que, bon, des serpents peuvent y cacher. Les enfants sont là, passent partout. Tout ça, quand même, bon, ce sont des choses quand même qu'on voudrait quand même signaler et on a signalé. Maintenant, le reste, essayer de faire le tour et voir encore. C'est ça. Quand tu as dit que tu même si tu as agressé, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu il va dit que tu as 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 dit c'est ça, oui. C'est ça, je suis dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
pour que vous ayez un problème. C'est ça. Le problème que vous avez école que vous avez. Nous, à vrai dire, on fait le maximum. Franchement, voilà, on se donne. On fait le maximum. Les élèves n'ont pas de matériel. Voilà, ce sont nos besoins.